Salutations à tous les poissons, salutations à tous les êtres qui, peut-être, même s'ils ne sont pas des poissons, vont croiser cette lecture et aura un écho même si vous n'êtes pas du signe du poisson. Mais voilà, juste entre l'aube et le lever du soleil, l'énergie que j'ai captée pour vous, les poissons, c'est vous êtes les gardiens avant d'aller plus loin. Je le dis parce que c'est pas parce que ça doit être dit, mais je le dis pour éviter toute confusion. C'est une lecture intuitive. J'élargis le plus possible les énergies du collectif. Donc c'est une lecture collective. S'il y a des choses qui vont résonner, qui ne vont pas résonner, si ça ne résonne pas, laissez cette lecture à quelqu'un d'autre qui a besoin. Si ça résonne, prenez avec vos ustensiles des cuisines, les choses qui ont résonné et délicatement vous prenez et vous l'adaptez comme bon vous semble. Voilà, ça c'est pas que c'est dit, mais cette clarté était importante. Alors l'énergie pour vous les poissons, c'est vous êtes les gardiens, que cela vous convient ou pas, que cela vous l'acceptez ou pas, que cela vous l'incarnez ou pas, les gardiens du portail de ce nouveau monde, cette nouvelle dimension. Et ça m'était rajouté, oula, c'est des... Pourtant, il fait déjà 30 degrés ici. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit dans le collectif des poissons. J'ai suivi un petit peu votre énergie sur les derniers mois. Et ça a été un petit peu j'y vais, j'y vais pas. Et il y a eu toujours cette énergie de nostalgie qui vous a fait des va-et-vient. Cela ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, à votre avantage ou pas, c'est que ça devait se produire ainsi. Par cette phase de nostalgie, est-ce que c'est nostalgie, doute, beaucoup de doutes. Parce que le voile commençait un petit peu au fur et à mesure des jours, des journées, des semaines. Je vous parle des 3-4 dernières lectures, si vous les prenez et si vous les concentrez, eh bien, vous pouvez voir ce que vous avez déjà accompli. Maintenant, tout ceci est accompli, vous voilà avec ces résidus d'énergie, de nostalgie de cet ancien monde, vous le ressentez. Cette nouvelle dimension, c'est un déplacement des consciences. Parce que certains êtres disent qu'on va prendre... Il y a Elon Musk qui va nous embarquer dans une fusée, il va nous larguer ailleurs. Non, c'est le déplacement de la conscience. Pour que cela ait lieu, il faut déchirer par soi-même, en toute clarté, conscience et volonté, ce voile. Sur les 3-4 derniers mois, vous avez commencé à déchirer, mais un petit peu c'est pas le coup franc, comme l'as d'épée, cette énergie de l'as d'épée. Le coup franc, c'était voulu ainsi.
Parce que, imaginez-vous, vous auriez eu ce coup franc de cette expansion des consciences, des compréhensions de ce qui est dans ce macrocosme, macro-monde ici, ça aurait été encore plus lourd pour vous. Donc vous voilà avec cette énergie qui vient vers vous. Hein? Les trompettes n'ont pas sonné encore. Je répète, les trompettes n'ont pas sonné encore. Cette énergie vient vers vous, cette énergie des gardiens du portail de cette nouvelle dimension et ce qui m'a été pas en plus parce que moi je le comprends moi hein, le but est que j'offre les messages avec comme la conscience elle est en expansion donc j'utilise la même expansion pour pas que vous comprenez, que vous saisissez. Donc, voilà avec cette énergie qui vient, parce que comme ce voile, il a déjà commencé à avoir des trous. Imaginez-vous, un rideau, un voile, il y a plein de trous. Bon, il y a le soleil qui tape. Il y a comme ces petits rayons qui sortent. Mais voilà, c'est pas encore vous voyez, ce rayon franc. Vous l'avez en vous, hein, parce que si le voile, à un moment donné, ce rideau, qu'est-ce que vous allez faire? Puis, vous êtes attiré, mais attends, il y a un rayon par-ci et un rayon par-là. Hein, c'est très symbolique. Puis, des êtres vont arracher ce rideau. J'en veux plus de ce rideau. Bam! Tous les rayons du soleil entrent. Ça, c'est... Vous voyez ce coup franc. Ce coup franc. Mais comme il y a cette énergie, hein, parce que qui dit gardien dit aussi, hein, vient avec cette énergie, une énergie de responsabilité, des actes des fois envers soi, de engagement profond avec son cœur. Pour son cœur, au service de son cœur. Vous voyez, finalement, c'est une lecture collective, mais c'est tellement individuel. Tellement individuel. Donc, vous êtes les gardiens de ce nouveau portail, du portail de cette nouvelle dimension. Ça veut dire que vous allez... il y a cette énergie des pionniers. Bon, puis merde, on a peur, on aimerait que les choses restent, voilà, parce qu'on est bien comme elles sont. Mais, voilà, vous avez un petit peu une lutte contre cette nostalgie. Cette nostalgie. Et là, vous comprenez, quand il y a ce coup franc, donc je répète, cette énergie n'est pas encore, elle ne vous touche pas encore. Elle est là. Parce que vous comprenez, après ce coup franc, le soleil n'a pas que uniquement quelques rayons, rappelez-vous le rideau troué là. D'accord, hein? Le rideau, il est blanc, il est très fin. Et puis, la lumière entre par les endroits où vous avez déchiré. Et puis, des êtres donnent ce coup franc. Mais pourquoi? Parce que vous comprenez, les poissons, qu'il n'y a plus rien à faire ici, dans l'ancien monde. Vous y voilà pourquoi vous êtes à l'aube de réceptionner cette énergie. C'est pour ça que je l'ai interceptée
Et je sais de quoi je parle. Elle n'est pas encore, je dirais pas à votre disposition, mais elle n'est pas encore, parce que cette énergie, elle est juste magique, j'en tremble, parce qu'elle se déclenche, elle s'active plutôt. Waouh! J'ai dit tout à l'heure, les trompettes n'ont pas sonné encore. Parce que cette énergie, et ça, je n'ai pas encore expérimenté ce genre d'énergie. Ça ne m'étonne pas parce que, comme vous, hein, avec ces nouvelles énergies, il y a beaucoup de choses qui se dévoilent de nous-mêmes à nous-mêmes, et puis ce monde à nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'intérieur et l'extérieur qui se dévoilent. Et ça, c'est pas tous les êtres. C'est pour ça que j'ai capté quand même cette énergie où il y a, c'est pas de la résistance, c'est véritablement cette énergie de nostalgie. C'est pour ça que vous avez donné que des petits coups d'œil, hein? Vous avez arraché ce voile. C'était pas le coup franc. Eh bien, cette énergie, c'est pas qu'elle n'est pas disponible, elle est disponible, mais elle s'active pour chacun qui est né sous ce signe, qui a l'ascendant Vénus, Lune, Vénus particulièrement, eh bien, c'est à vous d'activer cette énergie, de vous dire, ben, ça y est. Il n'y a plus rien à faire ici. On passe. On passe dans la chambre suivante. Hein, c'est comme une maison. Bah, pendant 20 ans, je suis restée dans le salon. Bon, bah, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a à côté. Je n'ai jamais vu cette chambre dans ma propre maison. C'est symbolique, je ne sais pas comment le dire, exprimer autrement. C'est véritablement, c'est un déplacement de conscience. Mais c'est que le fruit, si vous êtes arrivé là, à ce point très important de votre trajectoire, de votre chemin, de ce que vous souhaitez accomplir ou pas, faire demi-tour, avancer. Vous voyez, toutes les champs du possible sont à votre disposition. C'est ça qui est magique dans cette énergie. Cette énergie, comme si elle est dans la salle d'attente. Voilà, moi j'attends que le poisson me contacte avec sa propre vibration pour lui, quelque part, vous exaucer ce que vous avez au plus profond. Et chacun sait très bien ce qu'il a le plus profond, ce qu'il souhaite accomplir au plus profond de son être, là où il n'y a personne, là où il n'y a personne, là où on n'entend pas ni vos pensées, ni vos émotions, ni quoi que ce soit. C'est un espace sacré, c'est un petit univers, mais il est énorme. Je sais, je parle beaucoup, mais c'est très important que tout ceci, voilà, on accompagne ces énergies. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas juste ouvrir ces cartons et puis voilà. Maintenant, je suis tellement imprégnée des énergies avant que je touche les cartons. Après, il y a l'image, il y a aussi d'autres énergies qui vont se dévoiler ou pas. Je ne fais jamais du forcing. Eh bien, vous y voilà dans cette énergie. C'est cette énergie qui vous attend dans un point de rencontre précis. Elle attend d'être activée, des gardien du portail de la nouvelle lignée des temps. Pour certains êtres, je le dis ceci, comme ça, nouvelle dimension, nouvelle, hein, tout en restant ici, hein,
tout en utilisant la matrice. Mais ce qui est drôle, quand je vous ai parlé de ce qui est drôle, ce qui est puissant plutôt, c'est que on ne sait pas par quelle alchimie, par quel état des pensées que vous avez œuvré, parce que la pensée, elle est très très importante. Permettez-moi de boire un peu d'eau parce que. Donc, cette énergie de nostalgie, elle est aussi en attente. Est-ce que vous continuez à ne pas voir qu'il n'y a plus rien à faire ici? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, je suis prête. Donc, retenez bien les poissons. Cette énergie, elle n'est pas encore activée. Elle n'est pas activée parce que chaque âme, chaque être va l'activer avec sa fréquence unique. Imaginez-vous, certains êtres vont souhaiter déverrouiller ou bien régler une fois pour de bon cette peur viscérale. Oui, oui, j'ai fonctionné durant 30 ans comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ce coup franc. Pour le moment, vous avez quand même laissé quelques rayons. C'est pas mal. Ce qui a fait, grâce à vos coups sur ces petites déchirures de ce voile, que vous avez créé cette énergie qui vous attend. C'est elle qui vous attend. Elle ne vient pas à l'assaut vers vous. C'est elle qui vous attend pour que vous l'activez avec votre propre fréquence, vibration. On va voir ce que... On va le laisser parler peut-être. Oui, pour les êtres qui se demandent pourquoi je porte énormément la casquette, hein, dernièrement, c'est le jugement. Les trompettes n'ont pas encore sonné. Tiens, tiens, tiens. Je lis. Déplacement. Ça, c'est un déplacement de sa conscience. Voyez ce passeur. Ce passeur, c'est l'énergie dont je vous parle symboliquement, hein, qui vous attend, que vous activez. Vous activez cette énergie, bah, voilà, pour que vous voyez imager. Il vous passe. Elle vous passe, cette. C'est une énergie du passeur. Et vous voyez comment ça, c'est juste, je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai dit, les trompettes n'ont pas encore sonné. Vous voyez comme la création, la source, vous laisse le même plus respecte chaque, peu importe la décision que vous prenez, d'entendre ce signal que votre âme, c'est l'appel de l'âme, hein, c'est lui qui donne les... Comme la sirène tous les mercredis. Il y a des êtres, j'entends rien. Pourtant, hein. Mais elle est là, cette énergie. Elle attend que vous l'activez pour qu'elle vous passe. C'est une énergie du passeur. Parce que vous comprenez, et je me répète, qu'il n'y a plus rien à faire. Quand je dis, ça ne veut pas dire
Il n'y a plus rien à faire dans cette matrice. Vous avez créé cette énergie, les poissons. Ouais, ouais. Hein, les frissons. C'est une énergie véritablement. Une énergie qui se met à monde en salle d'attente. Wow. Ah. Le roi des bâtons. Ah, ben tiens, feu à volonté. Le guerrier guérisseur. Le gardien. J'ai commencé par ça. Voilà mes poissons en signe d'eau, ce que vous êtes devenus. Le guerrier guérisseur, la gardienne, le gardien. Nous allons comprendre. Et voilà, nous allons comprendre comment c'est possible, le jugement qu'il reçoit. Confirmation. C'est une... Oh là là, moi je suis dans un état pas très... Hein, vibratoirement, c'est trop puissant là. C'est hyper puissant. Accordez-moi, juste. C'est sous peu, hein. C'est avec un rien que vous activez. Mais encore une fois, la création, le créateur, Dieu, respecte profondément, au même titre que beaucoup des êtres, marchent et font cette expérience de ce qu'on appelle la vie, en étant conscient qu'il y a la loi des hommes, puis il y a la loi de la création. Et ils l'ont embarqué en eux. Eh bien, au retour. En retour, la création vous dit... C'est un petit peu, tu me respectes, je te respecte. C'est pour ça qu'on vous met à la disposition une énergie qui est là. Il n'y a que vous pouvez l'activer. Il n'y a que vous, votre vibration. Et ça peut se produire dans des prises de conscience, mais dans une nanoseconde, dans des prise de décision dans des nanosecondes. Ne vous attendez pas à quelque chose d'extrêmement flamboyant. Ça vibre les murs. Non, c'est du flash là. Quand vous activez cette, si tel est votre souhait et selon vos besoins dans votre chemin, votre part à accomplir, hein, chacun d'entre nous, hein, on peut parler, on peut se mettre à table tous, toute l'humanité, chacun a sa part à faire. Et chacun ne peut pas, chaque âme ne peut pas expliquer à une autre âme des manières verbales ici dans la matière, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? On se comprend, on se reconnaît. Vous voyez, tout marche comme ça. Des fois, il n'y a pas des mots. Voilà. Je sais que cet être devait être ce matin à 9h. Il m'a fait un sourire. Il m'a, hop, activé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est. Mais il y a cette énergie quand même qui est envoyée. C'est comme un cadeau qu'on vous pose devant votre porte. On ne va pas sonner. C'est la découverte totale. Et la découverte totale de ce qu'il y a dedans pour chacun d'entre vous. L'emballage sera le même,
Mais le contenu sera unique, précieux, unique. Oui. Je suis très très happée sur, dans cette énergie de guerrier-guérisseur. Le guerrier-guérisseur, c'est un veilleur, une sentinelle, justement. Hein? Une sentinelle particulièrement cette énergie pour les guérisseurs. Les guérisseurs, ils sont pour guérir, ils sont dans cette matrice, ils sont très vulnérables par leur degré de que ce monde ne peut pas supporter d'empathie, de tolérance, etc., etc. Donc ce sont des êtres qu'on leur fait beaucoup de mal. On leur fait beaucoup de mal. Par contre, ils absorbent tout ceci. Cette énergie du guerrier et guérisseur, il est là pour protéger les guérisseurs. Avec le jugement. C'est vous protéger quelque chose ici, on vous protège par là. Et là, vous y voilà, là, hein, avec cette énergie en attente, dans la salle d'attente, je sais que ça va être long. Écoutez, c'est comme ça. Je le sais, je sais pas. Là, là, c'est comme si j'ai entendu, j'ai ressenti des êtres. Putain, mais c'est long. Mais je suis obligée de regarder. Non, vous n'êtes pas obligée. Non, c'est long parce que ça, les énergies ont des choses à dire. Hein, et non pas décrypter qu'uniquement. Hein. Ça prend du temps alors que je suis dans une autre ligne de temps. Mais ici, ça prend du temps. Vous voilà avec cette énergie des sentinelles du portail de la nouvelle dimension. Waouh! 8 découpes. Les amoureux. Merci. Juste, en plus, elle est vers vous. La foi. Le dit de dénier. Et la prêtresse. Excusez-moi, les poissons. Ouh. Oh là là. Je vous mets au défi, hein, d'être dans une température de 30, plus de 30 et quelques degrés, parce que même ici il fait chaud, je la fais quand même, et d'avoir des frissons, mais vraiment sentir le froid. Ça, ce sont les vibrations qui m'accompagnent, qui sont très puissantes, et sentir ces deux contrastes, ce que je ressens là. Mes chers poissons, là ça devient... pas sérieux, mais très intéressant, fascinant et mystérieux. Mystérieux. À chaque fois que je touche votre énergie, véritablement, je ne sais pas quelle ligne, hein, je connecte, mais c'est une ligne assez fluide vers... dans vos énergies, que c'est plus qu'un plaisir. Le guerrier guérisseur, ben, il se tient prêt parce que il a compris. Il attend les trompettes qui doivent sonner. Hein, c'est un peu, hein, cet timing divin. Cela comporte aussi, mes chers poissons, des responsabilités. Je tiens à le répéter. Des responsabilités, hein, envers vous. L'engagement que vous avez posé en vous. L'acte des foi pour telle ou telle part, comme je vous ai dit, nous avons tous. Comme moi, j'ai fait ma part. Maintenant, j'ai dépassé, j'ai fait un travail énorme, énorme, colossal, de accepter ce qui est, c'est-à-dire que cette chaîne, ce canal, fut... J'ai
On lui a donné vie, hein, le céleste et la matière, et à l'instant où j'acceptais que, hein, cette énergie de dénier qui n'était pas trop connectée à cette chaîne, je suis passée par un travail très, 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 très important, colossal. C'est-à-dire que j'ai posé véritablement de A à Z, pas uniquement par mes actes, pas uniquement par ma présence, cet acte des fois d'accompagner. Voilà, ça c'est ma part. Je la fais, même si je dois, ici dans la matière, porter cette chaîne financièrement, vibratoirement, énergétiquement, psychologiquement, eh bien, ça fait partie de ma part. Donc, pour vous, c'est le timing divin. Et voilà cette énergie des nostalgies, mes chers. En plus, elle est coupe. Des nostalgies ben, il n'y a plus rien à faire ici. Il n'y a plus rien à faire ici. Ça ne veut pas dire qu'on continue son quotidien, on reste bien concentré les poissons. Son quotidien, mais vibratoirement, conscience, voilà, cette énergie, elle est disponible pour vous, mais elle n'est pas activée. Elle a besoin de vous. Vous voyez, c'est quand même une énergie. Mais on dirait que vous détenez en vous un code, et chaque âme, hein, comme dans un coffre, voilà, il fait son petit code, bam! C'est ça que je ressens profondément. Nostalgie, non seulement il n'y a plus rien à faire, mais il y a, ah, là je capte, certains, et c'est pas que ça ne m'intéresse pas ou que j'aime pas, mais je ne vais pas trop aller dans l'intimité des êtres, particulièrement tout ce qui est relation des cœurs, entre homme et une femme, et qu'on ne me dise pas... Oui, mais écoutez-moi, hein, moi je sais fonctionner qu'avec le masculin et le féminin. Il y en a qui me disent, ben excusez-moi, hein, ben, eux, ils n'étaient pas préparés, hein, à qu'il y a d'autres combinaisons. Donc moi, je fonctionne que, voilà, sur la combinaison masculin-féminin. Hein, qu'on me dise, qu'on ne vienne pas me faire, pas à moi, hein, particulièrement à moi, là, hein, par ces temps. Parce que je réprimande, et je le dis déjà, je réprimande toute âme, tout être qui s'oppose à ce que je délivre les messages qui doivent être délivrés. Je le réprimande au nom du Christ. Une autre partie du collectif est énormément, hein, c'est un petit, on va dire, une partie du collectif qui a quand même beaucoup ramé dans le sens des connexions. C'est pour ça que, vous voyez, tout est, même dans la, même les cartes, on dirait que c'est, elles ont leur timing divin, là. Parce que vous partez, et bon, allez, il n'y a plus rien à faire ici. Oh, on monte, hein, d'un niveau de conscience, donc on voit autre chose. Et puis, il y a les amoureux. Ça, c'est pour une partie. Donc, aussi, c'est impliqué. La vache. Mais, elle était où, ma place? Qu'est-ce que j'ai reçu dans cette relation?
J'ai porté beaucoup. Il y a cette énergie. J'ai énormément porté cette relation. Il est où l'amour? Vous voyez, des questionnements soudains, véritablement profondes, hein, qui vous tiennent à cœur. Vous libérez les autres. Les poissons, c'est pas que vous vous libérez, hein, comme on dit sans cesse. Vous, on attendait que ce soit vous qui libérez les êtres et les laissez revenir avec, c'est comme cette énergie, hein, de la, cette énergie de la mort symbolique. Et puis, grâce, voilà, ou le code, hein, ce code, cette vibration où vous la calez en fait. C'est très très profond là. Je sais que je ne lis pas et je ne donne pas comme vous êtes habitué, mais c'est comme ça. Il se passe quelque chose là. Entre celui des couples, hein, ces deux énergies, et des amoureux. Comme si là, vous savez qui vous êtes. Vous savez comment utiliser certains outils qui ont été bien aiguisés. Qu'en amont, vous les avez bien rangés. Voilà, comme un bon pêcheur, il a... Hein, ses cannes bien rangées, tout ça, il arrive. Bam. C'est exactement. Vous tenez prêt sans le savoir. C'est pour ça que les trompettes n'ont pas encore sonné. Parce qu'on a besoin de vous. C'est véritablement. Là, le libre arbitre, il n'a jamais. En tout cas, pour moi, je ne l'ai pas expérimenté. Il m'a traversé. Et là, je comprends aussi. Vous voyez que cette lecture, elle est peut-être bénéfique pour vous, mais j'apprends des choses. Parce que je ressens des nouvelles énergies, des nouvelles compréhensions. Ressentir cette énergie de libre arbitre, hein. Je dis, la création a ses lois. Là, cette terre a ses lois. Pour que le chaos, hein, ne règne pas. Il y a des êtres qui investissent davantage, c'est comme ça, dans la loi des hommes que dans la loi de la création du Créateur. Eh bien, ce qui vous intéresse, vous, apparemment, hein, et la création, vous faites un petit clin d'œil comme ça, elle dit « Ok ». Tu m'as respecté, je respecte. Je te laisse le poisson, un espace tellement large pour que tu puisses non pas te faufiler, mais de faire le tour de tout ce que tu ne veux plus. Apparemment, vous ressentez ça en vous. Bah, y a plus rien à faire ici. Il n'y a plus rien à faire dans cette relation amoureuse. Ça peut être une relation aussi, ce que je capte. Parce qu'attention, les amoureux, ce n'est pas uniquement homme-femme au niveau sentimental. Ça peut être aussi, on libère, entendez bien, vous les poissons, vous libérez la chose la plus difficile des êtres. Avec votre code, c'est pour ça qu'il dit, il se passe quelque chose. Là, vous ascensionnez et avant de, vous voyez, les pieds, avant de poser l'autre pied sur la prochaine marche, vous vous assurez que vous libérez. Oh là là, c'est encore. Vous libérez. Que ce soit des relations amoureuses, que ce soit
cet amour peut-être pour votre enfant, hein, qui a un certain âge, et il vient un moment, voilà, hein, c'est un être à part entière. C'est une chose lorsqu'on accompagne nos enfants, et c'est une autre chose lorsqu'on fait de nos enfants, hein, notre doudou. À notre tour, voilà, ben, comment vous voulez qu'on s'en sorte? Non. L'enfant qui devient adulte, c'est pas notre doudou, hein? Hein, qu'on va donner tous les jours des coups de fil, comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas, comment... C'est un doudou pour vous et c'est un fardeau pour l'enfant, hein, qui est devenu adulte. Hein? Je m'adresse aux adultes qui ont des enfants adultes. Qu'on soit bien clair. Donc, vous vous assurez que vous libérez, vous attendez qu'on vous libère. Vous attendez pas. Il n'y a personne à vous libérer là. Vous libérez des relations amoureuses. Vous libérez c'est ce que je viens de dire, ces relations, hein, affectives, hein, doudou. Et vous ne prenez pas avec vous ceci. C'est là que vous utilisez cette énergie que je vous ai dit avant d'ouvrir les cartes, qui sera activée que par vous-même. Point à la ligne, puis vient la foi. La foi, c'est une confiance et un plus. Merci pour les poissons. Vous commencez par le guerrier guérisseur, et là, regardez. Ces deux énergies, comme elles englobent. Vous voyez? C'est ça. Si vous voulez voir, comprendre ce que ça veut dire une sentinelle, voilà ce que c'est. Une véritable sentinelle d'un portail. C'est ça. Vous les avez là devant. C'est pas pour autant que. La création, elle ne vous demande pas de quitter votre job là. Ça, c'est un job. Hein? Il s'agit de votre part à faire, votre héritage à laisser derrière vous. Héritage énergétique qui n'est pas que de la foutaise, puisque 2000 ans après, on a quand même un écho, hein, du Christ, on a quand même des échos. Des compadre Pio, il a laissé sa trace. Comment vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes là, les poissons. Vous êtes là, chacun différemment. Attention! Avec une foi inébranlable. Et ce qui est magnifique dans cette. Et ça ne pouvait pas tomber. Là, je viens de le capter sans la regarder. Particulièrement, vous avez œuvré. Hein? Ah, les poissons. Ah, je ne vous souhaite pas d'être dans mon corps là. Les vibrations, waouh. Ah, c'est pas, elles sont balèzes. Hein? Vous avez œuvré, les poissons. Particulièrement avec ce qui s'est passé. Et si vous regardez bien, il y a toutes les fois. Regardez, l'hindouisme, regardez tous les symboles, le bouddhisme, l'orthodoxie, le judaïsme, tout est là. Toutes les fois, se sont rejoints. Il y a l'islam, il y a tout. Voyez comme quoi? Il n'y a que la foi qui donne cet accès à un état de conscience qui ne peut être mentalisé, qui ne peut être. Vous êtes un support, en fait, les poissons. Je crois profondément qu'on a choisi énormément dans le collectif, parmi vous.
grâce à vos vibrations, grâce à votre travail, hein, grâce à votre tolérance, tolérance, amour, grâce à votre vibration de guérir, de protéger. Ne pensez pas aux guerriers, guérisseurs, là, qui est là, qui viennent donner des coups de bâton. Voilà, c'est pas une énergie d'agressivité, c'est une énergie que, voilà, il a cette puissance de guérir. Imaginez-vous, si un poisson incarne pendant un quart d'heure, il a à sa disposition cette énergie, imaginez-vous. Un petit conflit en bas de votre immeuble. 10 personnes prêtes à en découdre. Mais prêtes à en découdre. Le poisson descend uniquement avec sa présence, sa vibration. D'accord? Bien sûr, avec l'appui du céleste. Il se tient prêt. Ça veut dire, il se tient prêt. Si j'attends le signal, hein, le signal c'est... C'est à l'intérieur, hein. Il y a personne qui va lui dire fais ci, fais ça. Hein. Faut arrêter avec les voix. On n'entend pas des voix, ne vous inquiétez pas. Avec la foi, il a. C'est une forme de guérison. Il a arrêté ce conflit. Il y a cette eau qui vient là, hein, un petit peu calmer, rendre les choses fluides. L'eau, elle se glisse partout. Rien ne lui résiste. Vous êtes particulièrement, on va dire, créé avec cette aisance des mouvements. Des mouvements. Des mouvements dans votre esprit, des mouvements du cœur. Vous, il y a le mouvement et c'est mouvoir aussi. Émouvoir, c'est un mouvement à l'intérieur comme le mouvement physique. On se déplace d'un lieu à un autre. Mais vous avez quand même cette... Pas tout le monde en veut, cher poisson. Beaucoup des êtres ont combattu envers cet état de s'émouvoir. S'émouvoir, c'est comprendre. S'émouvoir, c'est se connaître. Parce que lorsqu'on se meut de quelque chose, c'est que soit on a découvert quelque chose de beau qui nous a touché le cœur, les yeux, tout ceci. Vous imaginez que, voilà, on a été programmé de combattre ça. Donc, là, les poissons, ils ne se sont pas fait avoir hein, pour hein, qu'ils soient. On peut pas vous désensibiliser, déshumaniser vous. C'est pour ça que l'humanité, c'est pas, hein, j'ai parlé des responsabilités. On compte sur vous et vous pouvez compter sur nous aussi, hein, de l'autre côté. Ceux qui savent, savent. Donc, avec la foi inébranlable, vous mangez, vous priez. Vous respirez, vous priez. Vous faites les courses, vous priez. Mais c'est pas cette prière d'invocation, de oh mon Dieu, c'est pas ça. C'est comme un flux continu d'état de par vous-même, de remercier. Vous apercevez de chaque. C'est ça le truc. Quand vous avez déchiré au départ ce petit voile, ce petit, hein, un gros voile quand même. Hein. Là, franchement, je suis généreuse. Eh bien, vous êtes aperçu, mais un matin, par ces déchirures, il n'y a que quelques rayons. Hein. Je peux avoir le tout, l'ensemble. C'est pour ça que des êtres vont donner le coup franc dans ce rideau troué. Soit il tombe, on ne sait pas, il le fend en deux, mais il n'y a plus de rideau, bam! Tous les rayons du soleil viennent voir, rendre visite aux poissons. Donc, vous marchez, vous priez.
Vous chantez, vous priez. Vous respirez, vous priez. Vous parlez, vous priez. Partout, peu importe ce que vous faites, ce que vous pensez, c'est une prière. Vous êtes une prière incarnée. Vous imaginez? Puis la création vous donne son assurance, et je vous la confirme en toute âme et conscience, les poissons, que financièrement, c'est un mur d'abondance. Accueillez-le avec simplicité. Vous avez la foi. Vous allez savoir exactement de ne pas... Oui, pour certains êtres, ça va être tellement... ils peuvent aussi être dans cette extase de soulagement, parce que je ressens beaucoup, beaucoup d'êtres qui, cet argent, hein, cette énergie, ces deniers, vont alléger beaucoup des êtres, des dettes, des ci, des là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la prêtresse à côté. La prêtresse, elle ne fait pas joujou. Elle sait exactement. Particulièrement, elle vient derrière. Hein, c'est comme, vous voyez, on s'imagine ça, le poisson, d'accord? Voilà, c'est dénié. Là, il a les poches pleines, d'accord? Et regardez bien ce que je fais. Et certains êtres vont être tellement surpris, tellement... des fois, ça, émotionnellement, on peut gérer par un, d'une manière plus ou moins trop d'extase. Hein, ça touche un peu la clarté, tout ça. Donc, la prêtresse... Regardez comment elle assure votre dos. Votre dos. Le poisson, s'il fait comme ça, la prêtresse le redresse. Là, il n'est pas question de fuite d'argent. Mal dépensé, ce sont des priorités. Vous, particulièrement, vous allégez des dettes en particulier. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Des dettes, des factures, voilà, qui ont été là pendant 2, 3, 4 mois. Pardon, je suis émue. Et que vous jetez de temps en temps un coup d'œil, et cette lourdeur. C'est pour ça, quand j'ai dit vous libérez, vous voyez ce pied, hein, dans la nouvelle conscience, regardez comment c'est magnifique. Vous libérez. On a juste la Trinité. Comment je ne l'ai pas vue? Vous libérez l'esprit, parce que la création, elle fera, ne vous inquiétez pas, elle sait faire venir l'argent qu'il faut. Elle sait faire. Et laissez-la faire. Comme vous, maintenant, vous êtes dans la capacité, si vous le souhaitez ou pas, de libérer. Vous imaginez cela. C'est l'acte le plus difficile à accomplir. Lâcher. Libérer. C'est-à-dire que vous, c'est vous que vous défaites ça. C'est plus comme, hein, les anciens scénarios. Merde, ben il a rompu. Ou, oh, mon fils, bon, il m'appelle maintenant tous les 2-3 jours. Ah ouais, ça, c'était dramatique, vous voyez ce que je veux dire? Non, là, c'est vous que vous prenez la décision de libérer. Donc, regardez, la création, elle est partout. Hein, vous êtes encerclé. Mais écoutez-moi, gardez sous cloche des protections, je ne sais pas quoi dire là. Il y a. Ouf! Ah. Le mois dernier, j'ai dit, je veux être un poisson. Je le redis, je veux être un poisson. Je veux être un poisson. Je veux. Je le souhaite de tout mon cœur d'être un poisson. Et qui sait, peut-être que j'en suis. Hein. Bon, cancer, poisson, je ne sais pas.
En plus, je suis Cancer Lion, en plus. Je rentre, je sors de ma saison, je rentre dans ma deuxième saison. La prêtresse. Voilà, vous libérez votre esprit, la création. Vous faites orchestre que l'argent juste, la somme juste, qu'elle soit dépensée pour justement lâcher ce fardeau. Puis vous lâchez, regardez, donc vous libérez par vous-même l'esprit parce que vous savez utiliser et vous comprenez que ça ne vient pas de cette matière et que ça vient d'ailleurs. C'est pour ça que vous en faites un tel usage. Vous libérez l'esprit, le corps. Et oui, ça c'est la matière, c'est les plaisirs du corps, hein. C'est tout ce qu'on touche au corps, hein. Même c'est vraiment le ressenti physique, hein. Et l'âme. Corps, corps, âme, esprit. Âme par la connaissance. Attendez-vous, les poissons. Attendez-vous. Mais vous êtes prêts. Parce que pour avoir ça, c'est non seulement là j'assiste à un timing divin, hein, à des énergies qui sont prêtes. Là, vous voyez, j'aimerais que vous prêtez mes yeux. Elles vibrent comme ça. Ça vibre. Elles sont là. Elles ne partiront pas, mes poissons. Même si pour certains êtres, hein, c'est dans 2 mois, et bien ça sera dans 2 mois. Pour certains êtres, ça peut être immédiat. Vous voyez ce que je veux dire? Ne nous leurrons plus sur le temps, là. Pour ça que je parle uniquement énergétiquement. Bon, pour la chaîne, franchement, dédater et tout ça me passe au-dessus de la casquette. Hein. Mais carrément. 57 minutes. Donc voilà. Tout ceci avec. Regardez. Vous êtes là. Voilà, mes poissons, vous êtes là. Et regardez qui vous entoure. Je ne peux pas faire autrement. Voilà, vous êtes là. Vous vous trouvez au milieu de ces sentinelles pour en devenir une. Vous libérez l'âme par l'accueil du savoir, de la connaissance. On va vous transmettre énormément de choses. Je dis bien transmission par les rêves. Par des synchronicités, vous marchez dans la rue et un bus qui passe à moi, justement. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. C'est à vous de connecter. On ne peut pas être là, hein, non plus pour servir aussi le plat chaud. Il faut que, et apparemment, ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on ne vous demande pas. Ce n'est pas une question qu'on vous demande. Qu'est-ce que je raconte? On vous met dans une condition de choisir ou pas d'activer ces énergies. L'âme, elle se libère par la connaissance, ce que ça vous donne cette impulsion. Maintenant, je sais de quoi elle parlait. Cette petite connasse, depuis des mois sur les poissons, que, hein, y a plus rien à faire ici. Hein. Voilà, on passe, hein, à la marche suivante. Vous libérez le corps, hein, de certaines addictions aussi. Bien qu'il n'y a pas, hein, l'énergie du diable,
le chose voudrait que, même si la carte du diable, elle n'est pas là, sur la table, moi je l'ai énergétiquement. Là, vous libérez le corps des dépendances, qu'elles soient, je ne peux pas dire, voilà, des addictions, hein, des êtres aiment boire, voilà, faire trop la fête, il y a vous libérer par vous-même. C'est vous que vous dites, là, j'avance, je recule, je prends à droite, je prends à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme vous avez véritablement une télécommande. On vous donne une télécommande, la vache, et que vous appuyez sur le bouton qui vous convient. Et ça va vous apparaître ce que, sur quoi vous avez appuyé, vous, en toute conscience. Et on vous libère l'esprit par, de ces petits fardeaux, d'accord? Même si c'est deux, trois factures, qui sont en retard, qu'elles sont payées, ça soulage pas mal, ça libère pas mal l'esprit, on dort mieux, Nous sommes d'accord là-dessus. Vous et moi, dans cette matière, peu importe qui regarde, qui entend, qui écoute, dans cette matière, nous sommes sur le même bateau. Hein. C'est pas parce que y a un groupe qui est plus près de la poupe ou au milieu ou en bas, peu importe. En mouvement, ça peut. Voilà. Tout le monde le ressent. Toute l'humanité le ressent. Il n'y a que là que on est sur le même bateau. Donc oui, je peux dire que je peux comprendre ce que ça veut dire. Vous soulagez. Rien que d'une facture. Deux factures, c'est de l'oxygène. Donc, quand même, la création, vous, vous a pris en tendresse. Oui, les poissons. Eh oui, je suis gaga. Je suis gaga. Qu'est-ce que vous voulez? La création, Dieu, vous a pris en tendresse et il a écrit une jolie partition pour vous. Et il s'assure que vous vous libérez bien par vous-même. Je le répète, l'esprit, par la matière, les deniers, l'aspect financier, le corps, d'accord, relation. Toute forme de relation, vous libérez des êtres, vous libérez des addictions, de tout ce qui est cette dépendance liée au corps. Même si c'est lié au corps, ça impacte aussi émotionnel, parce que tout ce qu'on ressent par le corps, voilà. Particulièrement, on vous met la prêtresse. Vous libérez l'âme. Libérer l'âme, c'est l'envoyer. C'est envoyer votre âme, la laisser tranquille, aller chercher les informations et aussi la laisser tranquille de revenir avec les informations dont vous avez besoin pour activer ou pas ces énergies qui sont là, qui vous attendent, les poissons. C'est à vous de les activer ou pas, pour chacun d'entre vous. Je n'attends aucun retour concernant cette lecture, juste je sais, et c'est pour la première fois que je le dis, en toute, dans la résilience et l'incarnation de ce qui est, dans toute sa splendeur, je sais ce qui m'a été transmis. Et je suis passée par le filtre de mon cœur, de mon âme. Et ce n'est pas que c'est juste, c'est correct. Je n'ai pas ni trop, ni je suis restée dans ma verticalité. C'est pour ça que je dis, voilà ce qui est disponible pour vous, mes chers poissons, pour le mois d'août. Oui, j'ai oublié de dire le mois d'août. Eh bien, vous comprendrez.
Voyez encore un autre clin d'œil. Là, il m'a percuté. Hein. Je suis devant vous, je me tiens bien, hein, mais franchement, durant vos lectures, hein, la masse des... Qu'est-ce qui s'est produit le 8 août? Regardez le portail que vous avez. Et qu'est-ce qui fait ce être? Est-ce que je peux l'inventer, ça? Le 8? 8! Je ne veux pas en dire plus quand même. Hein. Comme j'ai dit, hein, le messager, il a aussi. Hein, il faut laisser aussi le libre arbitre, comme vous avez respecté. Vous respectez. Vous respectez. C'est pas que vous n'avez pas arrêté de respecter les lois du Créateur. Il vous respecte. Il vous a pris en amour, en tendresse, en protection, en protection, avec le guerrier guérisseur. Il vous a pris aussi, là maintenant, on va dévoiler à votre âme, parce que vous êtes dans cette capacité de regarder ce que vous faites le 8 août 2024. Vous posez votre premier pied sur la prochaine marche de votre trajectoire, peu importe où vous en êtes, globalement pour le collectif, parce que je vous ai dit, j'ai élargi le maximum pour le collectif, et ce n'est pas une chose aisée. Ce n'est pas une chose aisée, croyez-moi. Pas pour avoir plus d'informations, c'est pas ça. Mais on va dire pour 90%, et ce qui est énorme là, ce que je capte, cette lecture, je pense que je m'en rappellerai. 90% des êtres, si il y a certains messages qui ne résonnent pas, il y a une chose qui vous relie parfaitement. C'est pas ça que je voulais dire, vous voyez, lapsus révélateur. Qui vous relie profondément, et je dis parfaitement. C'est les dénier et aucun problème. Vous réglez des. Il y a certains êtres, des relations amoureuses, comme j'ai dit, certains êtres, ces relations, hein, d'affection avec même sœur, frère, hein, où il y a cette affection familiale, d'accord, hein, mais qui est devenue doudou. Pourquoi on a besoin d'un doudou? On est en dépendance. C'est ça que vous libérez par vous-même. Puis vous libérez votre âme. Je ne dis pas qu'elle est enchaînée, mais vous l'envoyez parce que vous comprenez. Comme vous avez compris qu'il n'y a plus rien à faire ici. Ah, vous avez fait le tour de cette dimension, tout en restant hein, sur la même lignée de temps. Mais là, votre conscience, elle se déplace. Certains êtres vont faire de la résistance. Ça fait partie c'est comme ça. Mais globalement, il y a trois points qui sont profondément, c'est comme si cette énergie touche comme une vague, une immense vague. Comme je vous ai dit, hein, au niveau financier, j'ai parlé particulièrement cette énergie, je ne suis pas allée plus loin, parce que je ne peux pas. Je ne veux pas, c'est très, très, trop, trop dur. Ces factures, hein, que je vous ai dit, il y a deux, trois factures qui sont en retard. Hein. Meilleur sommeil, et sûrement. Accueillir, c'est offert par la maison céleste, par la maison des dieux. Et vous le savez.
Et si vous avez créé cette énergie des sentinelles du portail, la prêtresse, c'est-à-dire que vous devenez le, si vous, selon si vous, vous a, pas que vous acceptez, selon ce que vous choisissez pour vous, hein, de le, d'activer ces énergies ou pas, encore une fois, sans cesse, je mets le, vous voyez, bien le libre arbitre au milieu, toujours. Les sentinelles du portail, c'est quoi le portail de cette nouvelle dimension? Je vous ai expliqué, le guerrier guérisseur, il est là pour protéger. La connaissance, la foi, et les lois de la création. Cela ne veut pas dire qu'on va les faire valoir et on fait un mix des lois des hommes ici, de la matière, et les lois du créateur. Non. Là, les poissons, on vous offre ce poste, on va dire comme ça, des sentinelles, des nouveaux portails, hein, le gardien, hein, des gardiens, pluriel, oula, révélateur, il y a plusieurs, féminin, masculin, du savoir. On va vous amener des choses à défendre là, des vérités, mais je dis pas dans ce monde, c'est silencieux. C'est silencieux. Des informations très, très, très hautement dévoilées. Hein? Et le gardien de la foi. Voilà ce que ça veut dire être la sentinelle, cette énergie. Vous l'avez créée, mes poissons. Vous l'avez créée, il est disponible là, quelque part, suspendu. Elle vous attend. Soit de l'activer, soit de ne pas l'activer. Sachez une chose, qu'une énergie reste intemporelle. Donc si des êtres se font des soucis que ah, ben, cette énergie, si je ne tape pas pendant 2-3 mois, elle part. Non, il n'y a pas de date de péremption là. Ok. Cette marche, même si vous devez la prendre en 8 mois, eh bien, vous la prendrez. C'est comme ça. C'est exactement comme dans ce monde. Il y a des êtres qui marchent plus vite, il y a des êtres qui apprécient de marcher lentement. Vous voyez, il en faut pour tout. Pourquoi cette fois, elle me montre, vous voyez ce que je veux dire, toutes les croyances, toutes les fois du monde, ben voilà, sont réunies dans une seule et unique main. Qu'est-ce qu'on fait tous, peu importe notre prophète. Allez, on va dire ça comme ça. On rejoint tous les mains. On rejoint nos deux mains. Et vous savez ce que ça veut dire, ça. À chaque fois qu'on fait ce geste, on ramène à nous-mêmes des morceaux de nous-mêmes. Et ensuite, on s'incline pour déclencher cette gratitude naturelle que nous avons en nous. Est-ce que quelqu'un nous a pris au berceau? Non, rejoins tes mains, c'est naturel. Regardez, observons-nous quand même. Personne ne nous apprend ça. Il y a des êtres qui vont mettre automatiquement les mains sur le cœur. Mais vous voyez, peu importe, que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, les mains, n'oubliez jamais vos mains, elles sont sacrées. C'est ça qu'elle vous souhaite. La prêtresse, comme je vous ai dit, la prêtresse, elle n'est pas non seulement là pour vous transmettre du savoir, mais elle fait quelque chose que jusque-là, je n'ai pas expérimenté, comme je vous ai dit. Cette abondance, ce cycle,
d'abondance qui est disponible pour vous. D'accord? Ça, c'est autre là, hein, activation, c'est pas de ces énergies. Ça, c'est prévu. C'est prévu pour vous. Ça, c'est prévu. Quand je parlais de l'activation de cette énergie, des sentinelles, mais le reste, d'accord? Par rapport à la foi, par rapport à se dénier, c'est que c'est là. Ça n'a rien à voir. Elle est disponible là, ici et maintenant. Et cette prêtresse, hein, certains êtres vont avoir des états, des émotions tellement contents que ça va les dépasser dans cet élan des joies. Voilà, la prêtresse est là pour réceptionner si vous... Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes là et la prêtresse est tel un arbre. Hein? Rappelez-vous, c'est quand on a profondément confiance en quelque chose, on ferme les yeux et on tombe à l'arrière. Il n'y a qu'avec ça. Il n'y a pas d'autre. D'autres voies. C'est la seule voie pour tout, pour toute l'humanité. L'être qui a illustré ces cartes, voyez-vous, il n'a séparé personne là. Et ça, vous les poissons, vous avez compris que rien n'est séparé. Que la foi, elle peut s'exprimer et elle se manifeste de tant de façons. Mais vous avez saisi que c'est cette énergie que vous priez pour, même pour le plus, le, même si ce monde voudrait qu'on haïsse, parce que qu'est-ce qu'on fait? On haït qui? On est arrivé à un point où on nous met dans cet état de haïr des états qu'on n'a jamais vus. C'est quand même énorme. Parce que on dirige nos yeux, voilà, ceux qui font, c'est pas bien. Hein. Et il reste encore des, on va dire, des résistants. Hein. Il y a des résistants, des éclaireurs. Hein. Il y a pas tous les soldats sont à terre. Moi, j'ai envie de dire ça. Pas tous les soldats sont à terre. Ceux qui savent, savent. Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ont des oreilles à entendre, ils entendront. Il n'y a pas que des soldats à terre. Il en reste pas mal debout. Pourquoi? Je me répète encore, je ne sais pas pourquoi. J'ai besoin de faire encore ce tour. Certainement, c'est la demande de certaines âmes qui peut-être n'ont pas saisi de mes premiers mots. Et je vais en finir hein, avec cette, peut-être d'une autre manière. Vous êtes prédisposé, c'est-à-dire prédisposition. Vous mettez donc prêt en avant, vous rendre disponible, d'accord, à devenir, et là j'ai une voiture hein, avec sa plaque 333, devenir avec votre consentement profond. Engagement, acte, des fois, d'être les gardiens du savoir, mais le véritable savoir, qui n'est plus contaminé, qui n'est pas, voyez ce que je veux dire, en silence. Le gardien de la foi, c'est-à-dire que, ça veut dire quoi être gardien de la foi? C'est devenir l'exemple, inspirer les êtres. Inspirer les êtres. Et le gardien, ben, assez près de la création quand même. Je vous dis que vous soyez des confessions musulmanes, orthodoxes,
catholique, chrétienne, bouddhiste, hindouiste. Si j'en oublie quelques-unes, quelle que soit votre confession, il y a un point de rencontre. Vous avez à votre disposition cette vous êtes très très précieux à l'humanité, très important. Vous entendez ce calme, cette sérénité, cette paix, vous l'entendez, c'est ça le son de la paix. Bien. Merci. Je ne sais pas pourquoi je vous dis merci. J'ai des choses à faire avant encore. À 11h, parce qu'à 11h, ça fera 37 degrés déjà. Je me suis arrêtée sur le bord de la route. Voilà, j'ai capté ça. C'était pas ni avant ni après, c'était maintenant. Et je vous remercie. Voilà, parce que tout à l'heure, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit merci. Merci à vous les poissons, parce qu'en me plongeant dans votre lecture, je me suis plongée dans une partie de moi-même que j'affectionne particulièrement, la foi. L'acte des fois, l'engagement.